Salut! Alors aujourd'hui dans cette vidéo consacrée à Restroom Racing Experience, dernière vidéo consacrée à la grosse mise à jour de décembre 2019, donc il nous reste une voiture et un circuit à voir, on va aller dans le jeu, je vais vous faire découvrir ça, ensuite je ferai une petite course avec cette voiture sur ce circuit. Alors la voiture se trouve dans la catégorie groupe 2, mais il n'y en a qu'une, donc c'est celle-là, c'est la Volkswagen Scirocco groupe 2. Donc j'ai un paquet de skins hein, qui sont très très sympas. Hein. Ah, j'aime bien moi celui-là, le Jaguar Mister. Je l'aime bien celui-là. Fais voir un peu ce qu'il y a d'autre. Oh putain, les zébrés ils sont pas mal aussi. Le KW et celui-là. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, il y en a des jolis, hein. Ah, puis il y en a un paquet en plus, hein. Ah, celui-là est sympa aussi. Clospeter. Et voilà. Ah, un français, une française. Vivien Le Bonnardel. Ah ben on va prendre ça, en plus c'est le skin Jaguar Master. Allez, voilà, et le circuit. Voilà, et là, Brandsatz Grand Prix, j'ai deux versions. Hein. J'ai la version courte. Et visiblement, ils ne sont pas sur le même onglet, bon, c'est pas grave. Et j'ai la version Grand Prix de ce mythique circuit de Brandsatz. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est prendre cette voiture, ce circuit, et faire une petite course avec 19 autres voitures. Non, on va en mettre un peu plus, allez. On va en mettre 25 des voitures. Voilà, 25 voitures. Et il y a 100%, 25 adversaires. Départ arrêté. Combien je me suis mis? 10. Ah, je vais mettre 12, allez, sur la grille, puisque j'ai mis un peu plus d'adversaires. Et on y va tout de suite. Allez, allons-y donc, pour 20 minutes. Avec cette Volkswagen Scirocco Group 2. Ah, j'avance un peu, là, c'est pas bon. Allez, j'ai jamais démarré avec cette voiture. Je sais pas ce que ça va donner. Ah, ça va, j'ai plutôt pas mal démarré. Ah ouais, très bien démarré. Alors, cette voiture a une rotation de volant de 1080 degrés. Donc, il y a plein d'endroits où il faut pas mal mouliner le volant, vous voyez. Là, je mouline, hop. Alors, c'est parce que si on conduit en gardant les mains comme ça, à 9h15, eh ben, la voiture, elle tourne pas, en fait. Hein. Voilà, il faut pas avoir peur de bien tourner le volant. À fond, enfin, à fond, non, mais... de bien manier le volant, sinon on perd trop de temps. J'ai un peu mordu sur la terre, sur l'intérieur. C'est assez marrant à piloter, hein. C'est une traction avant évidemment. Un peu, allez, avance, une cocotte. J'ai pris un peu large. Oh, il m'a fait l'intérieur. Ah, c'est le genre de catégorie de discipline où tu te frottes souvent les portes. Hein. Allez, c'est bon, je l'ai eu. Ah, les palmes de Druids. Je raccélère un peu tôt. Mais ça passe quand même. Ouais. Oh là. Il y a un petit coup de bagnole derrière. J'aime bien ces petites autos, c'est marrant. Je sens large. Ah, c'est génial. Ah, j'aime beaucoup. Le comportement est excellent. Je les connais par terre. Hein. Elle n'a pas trop
le train arrière qui dérive, du moins pas très violemment. Alors, on peut s'en servir au freinage, voilà, pour faire dériver l'arrière pour placer la voiture. Hey Viviane, une française. Hey, j'essaie de la terre là. Ah, c'est chaud. Ah, oh, il me bloque à l'intérieur. Ah, c'est pas gentil ça. Regarde que je roule pas à gauche. Voilà, hop là, on fait dériver le train arrière pour placer l'auto, c'est bien. Ce virage là où ils vont pas vite. Ah, j'ai pris un peu large. Non, c'est bon. Oui, je suis parti un peu au large là aussi. Hein. Je sais pas si je voudrais pas mettre la 2 là plutôt. Hein. J'ai un peu craqué la boîte là. Je l'ai un peu fait craquer. C'est bon, allez. Porte contre porte. Hein. Ah, il me bloque. Faut que je fasse l'intérieur. Et je le fais quand même. Là aussi elle a un peu craqué, j'ai lâché l'embrayage un peu tôt, c'est vrai. Allez, il reste 12 minutes pour attraper les deux premiers.
Alors, le circuit, il n'y a rien à dire. Hein. Et une autre voiture de bonne qualité. C'est vrai qu'il est, sympa le circuit. Ah, ils sont chauds à rattraper. Hein. Un peu large, un peu large. À chaque fois, je fais craquer la boîte là. Oui, un peu large. Hop là, c'est bon, ça passe. Ça sort large. Hein. Oh là aussi. Eh, il faut dire que vraiment il commence un peu à s'user. Hein. Du train avant. Voilà. Devant, hein. C'est à 5 secondes. Hein. Ah, ça soupire. Hein. C'est une traction hein, aussi. Hein. La glisse. Du coup derrière il m'a recollé. Ah ouais, j'ai perdu un temps fou là. Ah, les pneus avant commencent à fatiguer hein. Ouh, la ligne blanche, elle est prête. Ah, je mets un peu tôt, donc ça va. Voilà, oui, j'ai freiné trop tôt. Ah, les pneus avant, ils commencent à fatiguer. Thank you.
Ouais, il va être dur à rattraper lui, hein. Ça dérive, ça dérive, c'est rigolo. Oui, j'ai pris large. Et il faut que je fasse gaffe, gaffe à l'autre derrière, hein. Parce qu'il est pas si loin que ça, hein. Il est qu'à 5/10. Ah, les pneus avant sont fatigués. Ah, il va me doubler. Ouais, il se met à l'intérieur. Faut que je lui fasse le freinage. Quand même un peu de sensation dans le train avant. Pour le retour de force un peu mou, ouais. J'ai augmenté important. Hein, ouais, l'autre est trop loin, 10 secondes là. Il est trop loin. Tour, tu peux rentrer fort comme une brute dans les virages, et là tu peux moins, là, hein. Là ils sont fatigués. Ouais, il faut que je l'anticipe celui-là. Ouh, voilà, plus d'adhérence. Ah non. Ah, ah non, 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 ah non. Ah, ah non. Ah non, je me suis fait piéger. Ah, je suis redescendu 5e, 6e, il y en a qui m'a doublé là. Qu'est-ce que je leur mets? Qu'est-ce qu'il reste? 3 minutes. Ouais, ça fait 2-3 tours, ça fait. Ouais. C'est bien vivant comme engin. Il n'y a que 10% d'usure, mais franchement tu le sens sur le... Quand tu fais rentrer la voiture dans les virages, tu ne sens que les pneus, c'est plus ça. Voilà, sur le sommet que je me suis fait avoir. Ouh, ça dérive, ça dérive. Hop là. Ah, j'ai freiné trop tard.
Ah, c'est chaud. Oh, je me mets dans la vitesse en plus. Les pneus arrière, ils sont nickel. Hein. Ils sont même pas usés à 1% les pneus arrière. Ah, je vais rester cinquième, j'ai l'impression. Hein. Ah, je me fais encore avoir. Ouh, juste là. Hein. Ah, dernier tour, c'est ça. Ah, je vais pas le rattraper, Corban. Corban. Ah, il est trop loin. Pas sûr, hein. Il est trop loin. Il est trop loin, il est trop loin. Oh, il était trop loin. Ah, je fais le meilleur tour. Je ne pas beaucoup, mais je fais le meilleur tour dans le dernier tour. Bon, mais elle est très sympa, cette Sirocco Groupe 2. Je trouve qu'il manque un peu de retour de force dans le volant. Le volant est un peu trop mou à mon goût. Mais sinon, c'est une excellente auto. C'est un peu le même concept, un peu le même genre que la NSU. Pour se tirer la bourre monotype comme ça, il n'y a rien de mieux. Il y a très peu de réglages. Hein. On peut régler un peu la boîte, il n'y a que 4 vitesses. On peut régler un peu les suspensions, mais sans plus. Quoi. Donc non, c'est l'excellente auto quant au circuit de montage. GP, bah, il est parfaitement modélisé, hein, comme souvent, hein, comme tout le temps, avec les productions de Sector 3. Donc cette grosse mise à jour de décembre 2019, il n'y a vraiment que du bon contenu. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, commentez-la. Et si vous avez du matériel Fanatec à commander et que vous voulez me soutenir, faites-le avec le lien dans la description de la vidéo. Et vous pouvez également visiter mes partenaires dont le lien se trouve également dans la description de cette vidéo. Ciao !